Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti! Alors où sommes-nous? Où sommes-nous les amis? Où sommes-nous? Hein? Où est-ce qu'on est? Eh ben on est dans ma maison du spawn et là vous voyez une magnifique armure assistée, voilà, que Tigra adore, hein. Elle aime pas les armures assistées, Tigra. Voilà, mais une magnifique armure assistée, voilà. Nous sommes dans ma maison du spawn, les amis. Donc, je vais remettre l'armure parce qu'ici, nous ne sommes pas en mushroom, n'est-ce pas? Je vais même mettre le bouclier. Bon, là, dans la maison, on craint rien. C'est relativement bien éclairé. Je vous avais dit hein, qu'on ferait ma chambre et on va faire ma chambre. J'ai eu quelques idées, mais je me lance un peu en freestyle. Il y a quoi dans ce coffre? Il n'y a que ça. On va le casser direct. Comme ça, on ne sera pas emmerdé. Hop, on va mettre ça là, comme ça. Hop, voilà. Celui-là, je pense pas que, vu qu'il y a les trappes et ça, je pense pas qu'il gêne. On va pouvoir mettre du stuff dedans. Je rangerai tout après. J'ai pas mal de choses à ranger. On avait fait donc la salle de bain en bas. Ça aussi, c'est à ranger et je le rangerai. Donc, on avait fait la salle de bain en bas avec la magnifique douche. Hop là, il n'y a pas d'eau dans la douche. Voilà, magnifique placard, voilà. Hein. On re-regarde dans la maison du spawn, le panier à linge sale. Pourquoi pas? Et voilà, tout simplement. Et en bas, on avait fait ça aussi, il faut que je le range et je le rangerai. La cuisine, cuisine, salon, voilà, avec un petit placard, avec des placards, tranquillou. Voilà, donc notre maison du spawn. Donc, on va profiter pour dormir, pour éviter de faire spawner si j'ai à sortir. J'ai eu quelques petites idées. Je vais dormir et casser le lit, donc j'ai pas intérêt à mourir après. J'ai eu quelques petites idées et nous allons voir, nous allons les mettre en pratique, les amis. Alors, tac, déjà, voilà, je casse le lit. Et je le remets. On va le mettre là. Hop. Ouais, pour laisser de la place. On va le mettre là. Alors, j'ai pas monté de. Ah oui, mais il y en a un en bas. Ça évitera d'en fabriquer un, hein? Hop là, voilà. On va le prendre, on va le monter. En espérant qu'il nous manque rien. Après, j'ai lancé ça en freestyle, un total freestyle, c'est-à-dire que ouais, je vais le mettre là par contre, comme j'ai rien à mettre, ça sera plus pratique pour moi. Total freestyle, ça veut dire que bah voilà, j'ai bossé un tout petit peu hein, sur ce que je voulais à peu près faire. Mais voilà, c'est du freestyle. On va essayer de faire un truc bien ensemble. Hop, déjà, commencer. Donc cette maison, c'est beaucoup avec les trappes d'or. J'ai beaucoup travaillé avec les trappes d'or et j'ai pensé quelques. Bon, on peut tout faire. Quelques trucs en trappes d'or. On va voir ce que ça va donner. Normalement, dans un lit, il faut laisser un coin spawnable. Alors attends, comment on va faire pour la poser? Si, ouf. Nickel. Je me souviens jamais de l'ordre. Mauvais ordre. Ça va être chiant. Va pas pouvoir. Oh, quoique si on le laisse d'un, c'est pas plus gênant, hein? C'est pas plus gênant. Je voulais faire. Attendez. Je vais vous montrer ça. Non, c'est de l'autre côté. Là, on peut. Voilà. Et je voulais faire un côté plus haut, vous savez? Oh putain. Oh, j'ai réussi en sautant. En fait, comment j'ai fait? J'ai sauté, j'ai sneaké et j'ai posé vite fait. Comme ça. Hop, sneak et posé vite fait. Bon, là, c'est par terre, donc ça l'aurait posé quoi qu'il en soit, mais voilà.
J'ai sauté, j'ai sniqué, j'ai posé vite fait, j'ai fait tout en même temps. Waouh, le Fred! Voilà, un lit, comme ça. Comme ça, j'ai eu l'idée. Ça m'a paru pas mal. Alors, on va laisser de côté. Alors attendez, est-ce que j'ai des tapis? J'ai des tapis blancs, il me faudrait des tapis bleus. Bleu et jaune, parce que c'est une maison très falloutienne. Et nous jouons beaucoup avec le bleu et le jaune, n'est-ce pas? Hop là, voilà. Heureusement. Hop là, oh bah. On peut mettre ça comme ça. Voilà, on va le remonter. On mettra peut-être d'autres posters. Hop. Nous jouons beaucoup avec le bleu et le jaune. Je vais quand même laisser ce côté-là comme ça. Nous allons ensuite. Qu'allons-nous faire ensuite, mes amis? On va tester des choses. On va tester les choses. Nous allons laisser comme ça. On va refaire des trappes d'or. Alors attendez. J'avais dit. Est-ce que. Trapdoor. Alors attendez, ce qu'on va faire, ça va être plus simple. On va tout transformer là en planche parce que de toute façon, on n'a pas besoin de poutre pour la maison. On va faire des trapdoors comme ça. Hop. On va faire en gros, hein, les amis. Merde. Hop. De l'autre côté, on fait pareil. Hop, vous voyez, c'est ces petites étagères en rotin. Enfin, je sais pas trop comment le décrire. Tac. Je sais pas trop comment le décrire. Ouais, ça peut être en rotin, une sorte de rotin, quoi, enfin. Oups. J'ai dit tchè, chef. Comme dans l'idée qu'elle est pas du bon côté, elle. Voilà. Comme ça. Et si on va en mettre dessus. D'ailleurs, pour compléter l'effet rotin. Voilà. Petite étagère comme ça pour ranger mes habits. C'est parfait. C'est parfait. Je voulais tester quelque chose. Attendez, je suis en train de réfléchir si c'est bien de tester cette chose ou pas. Mais ouais, on va tester, attendez. Par contre, il faudrait pousser le. Quoique non, je le mettrai là. Vous allez voir. On va essayer, on va tester quelque chose. Une animoire. Non, faut pas des barrières. Et j'ai tout ce qu'il me faut. On va faire. Hop. Ah mais ah c'est pas possible, j'ai les doigts carrés. Oh là 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 là, les amis. Enfin, j'espère que vous allez bien. Que les vacances se passent. Les vacances. Non, vous êtes à l'école, on est en mai. Oh, les vacances d'été, c'est bien plus tard, non? Pourquoi ça veut pas? Donc ça veut se poser que là? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je pousse le coffre, quoi. Quoi qu'il arrive. On va le pousser, on va le pousser, on va le pousser. Là là. Attendez, on va le mettre ailleurs, donc le coffre, du coup. Donc on va en faire un deuxième. Tac. On va le mettre où, du coup, le coffre? On va le mettre à côté, hein. Je pense pas mettre des trucs là. On verra bien. Hop. Alors.
voyez, au fur et à mesure que vous rangez sa pop, enfin plus là, mais tac, tac, tac. Ça, c'est le problème de ne pas avoir rangé son coffre. Hein? Hop. On va reposer tout ça là. Voilà. Donc, on aurait besoin de quoi maintenant? On peut choisir ce qu'on va prendre. Hein? Ouais. On aurait besoin de ça en hauteur. Non. On va sneaker si tu veux. Merde. Non, pas là. Pourquoi là? Voilà, je voulais la mettre là. Voilà. Ça fait, vous savez, ces petites étagères qui tiennent au mur. Ah, vous en avez chez vous. Qui tiennent au mur. Bon, là, elles collent pas au truc. Si, oh, si, ça va. Qui sont en hauteur, qui sont vissées dans le mur. Un petit peu en hauteur, vous savez. Je sais pas comment vous dire. Enfin, vous devez en avoir chez vous, hein. C'est pas en bas le pied, c'est du haut et c'est fixé dans le mur comme ça et vous avez le truc en bas, voilà, tout simplement. Voilà. C'est une petite idée que j'ai eue, hein, tout simplement, qui m'a plu. J'ai dit je vais tester. Ensuite, 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 ensuite. Monsieur Laolès, ne vous dispersez pas, vous avez une chambre à faire. On va prendre par 16. Je vais faire des escaliers. Tac. On va prendre la moitié. Tac. Tac. Tac, tac, voilà. Alors, hop, voilà, ça me paraît assez bien comme ça. Je peux mettre une chaise ainsi, ici. Hop. Hop, hop, hop. Et il n'y a pas de raison, moi aussi je veux mon Galaxy News Radio. Il n'y a pas de raison, les amis. Fight the good fight. En gros, c'est bats-toi pour le bon combat. Et je veux mon Galaxy News Radio. Non. Hop. Grognac. Voilà mon Galaxy News Radio. Parfait. Voilà, j'ai mon Galaxy News. C'est parfait tout ça, dites donc. Alors c'est une chambre assez vaste, assez grande. Et je pense y mettre un tapis. Il faudra un tapis jaune. Alors je vais tenter de faire quelque chose. Si ça marche pas, tant pis, hein, les amis. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais tenté, mais on va tenter de faire quelque chose tous ensemble, tous ensemble. Oui. Voilà. Ah oui, là aujourd'hui, c'est des connades. C'est non, de deux. Oh, putain, là, ça m'en ferait neuf. On va en prendre plus. J'ai vu qu'il y avait des moutons dehors. On ira les tondre au pire. Tout ensemble, oui, oui. Cherchez pas. Qu'est-ce que t'as?
Ah, ça serait trop gros, ça serait trop gros. Non, ça serait trop grand. Alors, attendez. Les bleus aussi, on en a en bas. On va faire autre chose. On va faire autre chose. Hop. Oh merde. Coup de téléphone. Je fais une petite ellipse, les amis. Je vous reviens tout de Les amis, suite. Je suis vraiment, vraiment désolé. Et en plus, c'était de la pub de merde. Voilà. Il faut le dire. De quand est-ce que j'arriverai à me foutre dans la tête que quand j'enregistre, il faut que je foute mon téléphone en silencieux? Waouh! Et en plus, ça m'a énervé parce que ça m'a coupé dans mon élan. Et puis voilà quoi! Arrêtez de m'appeler pour de la pub de merde! Nom de Dieu, voilà, ça m'a énervé. Bon, basta, on va se calmer. Hop, on va faire ça comme ça. Je voulais faire une sorte de tapis, mais voyez, un petit peu comme s'il avait été un peu déchiré, n'est-ce pas? Enfin, hop, voilà, comme ça, voyez, un petit peu, ça peut être sympa, ça peut être très sympathique, n'est-ce pas? Voilà, on va aller d'ailleurs tondre quelques moutons, ça nous fera sortir et je suis vraiment désolé pour ce coup de fil. Et d'habitude, je passe en silencieux et voilà. J'ai répondu et puis ça fait une petite musique. Et non, c'est de la pub. M'emmerder pendant mon rec pour de la pub de merde. Et je ne regarde plus la télé. Donc, j'ai plus de pub de merde à la télé. Il faut qu'on m'emmerde au téléphone, quoi. La pub, c'est rendre les gens moutons. Achète mon produit. Achète. C'est le meilleur produit. Achète. Il faut savoir un truc, les amis. Bonjour les poules. Il faut savoir un truc, les amis. J'ai eu travaillé à une époque dans ma prime jeunesse. Mais j'ai eu travaillé dans une usine qui faisait les bougies de voiture. Et c'est tout con, hein. Tu voyais la pub qui disait notre marque est mieux que les autres marques. Achetez cette marque-là, elle est mieux que les autres marques. Et en fait, j'ai travaillé dans cette usine et en fait, les bougies sont absolument, les bougies de voiture étaient absolument les mêmes. Il n'y avait que la marque qui changeait. On sortait, je sais pas combien de bougies, c'est énorme, hein, mais on sortait des tas et des tas et des tas de bougies de la même machine, et c'était juste la marque qu'on appliquait dessus qui changeait. C'est tout con. Alors voilà, voilà la pub, les amis. Voilà la pub, les amis. C'est ça la pub qu'on regarde. Et qu'on se dit, oh ouais, putain, ils ont l'air bien, ils ont l'air pas mal. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Oui, non, non, ça sort du même moule. Tout sort du même moule, les amis. Laissez-vous pas avoir par la pub. Pensez par vous-même. Je regarde plus la télé, moi, pour vous dire. Ah, la télé, elle me sert que pour la console et le catch. Je regarde la télé que pour le catch. C'est tout. Mais le reste du temps, je fais par moi-même. Faites vos propres expériences par vous-même. C'est le plus important, les amis, parce que c'est tellement, 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 tellement. Ils cherchent tellement à vous endormir, les amis. J'essaye de chercher Grognac. C'est un de deux, c'est un de un, Grognac, hein. Voilà. Hop là.
petit grognac. En tout cas, voilà, et c'est pareil pour tout, pour tout, pour tout. Il y a des chances pour que votre truc où vous vous dites ah, c'est génial, c'est le plus beau truc. Il y a des chances pour que ça sorte du même moule exactement et que c'est juste une marque qui change parce qu'ils veulent t'endormir à te dire achète, achète, on est les meilleurs, achète. Faire gaffe à ça, ne pas vous laisser endormir les enfants par les produits. C'est important, important et c'est un petit peu mon cheval de bataille, hein, pas vous le cacher. J'essaye d'inculquer, si je peux, amener les gens à penser par eux-mêmes. Ne pas écouter une seule pensée, les amis. Jamais. Mais faire votre propre opinion par vous-même. C'est important. C'est très très important ça. Peut-être y faire qu'avec des escaliers. En tout cas, voilà. Qu'avec des escaliers et le dernier, une dalle. Dans ce cas-là. Ouais. Un petit truc de rangement, hein. Pas, 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 pas. Hop. Merde. Ah ben non, c'est une dalle. Oui, c'est pas spawnable. Nickel. Hop, et on va mettre. Alors attendez. Parce que la lumière, on va pas la laisser comme ça par terre. Hein. Ça ne se fait pas. J'aimerais bien pouvoir mettre des lumières pas camouflées parce qu'on va pas pouvoir ici puisque le plafond c'est le sol en fait de là. Là on a quand même foutu les lumières par terre. Hein. Des lumières là, ça a pas lieu d'être puisqu'il y a les bougies là. Il y a les bougies, les torches. Ici, ça c'est un pense-couillon. On peut faire comme ça. Hop. Peut-être en mettre une là pour faire bien, pour faire une lampe qu'on a posée là et puis qu'on a un peu oubliée. Peut-être une là aussi. Avec le pack de texture, ça passe, hein, les lampes ici. Bien sûr, il faut avoir le pack de texture. C'est pour ça, les amis. Le pack de texture qui est en train d'être refait par Ombriste et je l'en remercie grandement. Hein. Donc, on vous partagera un pack de texture fait par Ombriste. Voilà. Hop, c'est pas un autre bureau hein, que je vous fais. Pas un autre bureau que je vous fais. Tac. 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 Évidemment, il en manque un. Ça, c'est le truc des escaliers. Il vous en manque un seul, alors que vous savez très bien que quand vous les faites par quatre. Voilà. Et qu'il y en a forcément, hop là, trois qui vont rester dans votre inventaire et qui vont vous prendre de la place. Souvent comme ça, les amis. Hop là. Oh, attends. De dehors du coup ça non ça va. Oh putain, comment je vais faire pour le remettre? Voilà, hop, c'est petite étagère pour ranger des choses.
Voilà, une petite étagère, bah, même le sol pour ranger des trucs. Voilà, ça meuble, c'est assez sympathique et ça meuble. Hop, on va mettre une, deux, tac. Attendez, une, deux, trois, hop, une, deux, trois, hop. Ça vire celle-là, du coup. J'espère que l'endroit soit pas spawnable, les amis. J'espère que l'endroit ne sera pas spawnable. Normalement, non, hein. Normalement, non. Là, on va mettre une armoire factice que j'aime bien mettre. Vous l'aurez reconnu, hein, avec l'andésite. On va d'ailleurs toute la polir. Ce sera fait. Je vais voir si j'ai les portes pour. Donc, on va mettre des portes. Comme on a choisi les portes placard chêne pour la maison, on va garder les portes placard chêne. Ouais, c'est ça, hein. Oui, les portes d'entrée, c'est les portes noires et les autres, c'est les portes placard chêne. Non, c'est les portes chêne que j'ai mis là. Portes chêne partout. Bah, portes chêne partout. Oh, je mettrais bien les portes noires là pour le placard, sur le coup, non? À moins que ça dénote avec l'autre, autant garder chêne, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Ah, autant garder chêne. On va mettre donc. Hop. Et là, on va mettre nos portes de placard. Voilà. Et évidemment, elle se met mal. Mais va te faire! J'ai mon tapis de souris qui glisse de la table. J'ai une table en verre, les amis. Il faut vous dire. Et le tapis de souris a tendance à glisser quand je tire ma souris vers le bas. Il a tendance à venir avec. C'est assez chiant aussi. J'arrête pas de le remonter. Voilà. Petit comme ça. Tranquillou. Ouais. Bon. Je suis pas. Autant dans Megaton. Moi, quoi que non, ça fait. Oh, c'est factice après, c'est du factice, les amis. Hein. C'est une lourde armoire. C'est du factice, c'est du factice. Et ben, on est pas mal, on est pas mal. Déjà. On va mettre. Alors, attendez. J'avais envie de mettre des petits posters. Bah. J'avais envie de décorer un petit peu avec des posters, les amis, en fait. Aussi. Des posters qu'on n'a pas forcément vus dans Megaton. Attendez. Je vais plutôt mettre comme ça, vous allez voir. Tac. Hop, si ça compte comme un bloc. Et on va tenter. Pourquoi pas Automatron? Attendez. Grognac. Grognac. Voilà, il n'y a que ces deux. Hein. Nuka. Grognac. Galaxy News en lin. Guns and Bullets. Oh, Automatron. On va laisser Automatron. Pourquoi pas? Vous allez voir qu'on va plus l'avoir maintenant que. Voilà, parfait. Hop, petite pioche. Hop. Et là, on va essayer d'en avoir un autre de 1. En bas, on va essayer d'en avoir un autre de 1. Vous allez voir. Hop. Je pense qu'on a tout. On va faire. Tac. Voilà. Ce petit, tranquille. Putain, le truc est retombé depuis. Ah, ils m'ont fait chier avec la pub. C'est retombé. Hein, Fiu! Mais pas Automatron. Ah. Voilà. Hop.
T-Volt Boy, Voltman. Est-ce qu'on fait de l'autre côté, les amis, ou est-ce qu'on... Ah, quitte à taguer. On va voir ce qu'on peut avoir de deux de l'autre côté, par contre, les amis. Hop là. Si je bouche un seul, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait pas me mettre... Hein, qu'en pensez-vous? Donc, on va mettre directement là. Clairement, on arrive à la fin, mine de rien, de Ragnablock. Hein. En deux, j'ai que Quantum ou... On va laisser ça. On va laisser ça comme ça. En mettre un autre en bas. Attendez. Faut que je refasse des. On va en faire comme ça. Mine de rien, on arrive à la fin de Ragnablock. Mégaton a été fait. Le Red Rocket est pratiquement fini. On fait la chambre tranquillou. Vous savez, quand j'étais jeune, j'avais ma chambre qui avait plein de posters. New Coca-Cola, oui, pourquoi pas? Tiens, un petit New Coca-Cola, voilà, hein, ça mettra mon addiction au Coca. non, je ne bois pas du Coca-Cola, du New Coca-Cola. Voilà, mon addiction au New Coca-Cola. Je ne bois pas de Coca-Cola, moi, il faut savoir, hein, les amis. Coca-Cola, c'est pas ma tasse de thé. Si vous voulez tout savoir, on va mettre tac là et là. Alors si j'enlève là, falloir éclairer par là de toute façon ou hein, mettre du tapis. On va falloir trouver. J'ai peut-être trouvé un petit truc, attendez. Pour ce faire, il me faut une barrière. Barrière de sapin, ça m'arrangerait, voilà. On va se faire des escaliers, on en a. Et trappe, on en a. Je vais tenter un truc, les amis. Hop. C'est pour amenuiser hein, le truc spawnable. Hein. Ça restera toujours à peu près. Mais ça amenuisera l'endroit spawnable. Là, vous savez, ça peut être. C'est pas une table pour manger. Ça peut être, vous voyez, avec les trous, les trucs comme ça peut être une table de jeu. Ça se faisait bien aussi dans un certain, dans certains cercles, n'est-ce pas, dans certains cercles. Ça se faisait bien les tables de jeu comme ça. On pouvait en voir de temps en temps. Donc ça peut être une table de jeu, comme ça. Voilà, comme ça. Hop, par contre là, pour mettre de la lumière là, waouh, ça va être Tandax. Ça va être Tandax. À moins que, les amis, on va avoir recours à notre petit subterfuge de la caisse, n'est-ce pas? Hop. Ah oui, non. Ah, ben là, il y a les trappes de toute façon qui empêchent. Qui empêchent, c'est pas mal. Mais notre petit subterfuge de la caisse. Merde, ça fait sauter le Nuka. Hop là, on va le remettre.
Non, mais je l'ai mis, je savais que ça allait faire sauter le Nuka avant. Je sais pas, c'était une sorte de réflexe. Par exemple, là, voilà. Petit subterfuge de la caisse. J'ai des mini lags, par contre. Que c'est pas call. Et par là, les amis, le subterfuge de la caisse. Oh, quoi qu'on peut le mettre là, vous voyez. Hop. Ouais, mais il sera. Oh, quoi. Il sera en face de l'escalier, c'est pas gênant. C'est pas gênant de l'avoir en face de l'escalier. Je visais le mur, hein. Oh, et puis en plus, c'est la fin de l'escalier. Donc, attendez. Peut la mettre dessous dans ce cas-là. Regardez. Hop, sous l'escalier, caché. Hop là, petit subterfuge de la caisse sous l'escalier, caché avec la bougie là. Hein? Et on est pas mal. On est vraiment pas mal, moi, je pense. Ah, moi, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est plutôt bien. Voilà. Hop là. Je pense qu'on est plutôt pas mal. On va essayer de. Alors là, ça passe pas. Ça serait là. Faites voir ce qu'on a comme volts. Là, on a surtout des volts, hein. Volt avec la mitraillette, le multivolt, multivolt, mitraillette, oh celui-là ouais comme ça, Ch'ting il est assez sympa, j'aime bien. En tout cas voilà une petite chambrette, hein, une petite chambrette. Je pense que l'endroit n'est pas spawnable. Est-ce que je peux dormir? Oui, je peux dormir et ça n'a pas spawné. Après, la nuit vient peut-être de tomber tout juste. Hein. J'ai pas de. J'ai pas de fenêtre à ma chambre. Hein. Il faut savoir. Je n'en ai pas besoin. J'en ai pas mis, surtout. Hein. Là, c'est ouvert. Hein. C'est ouvert en permanence, là. Vous voyez, avec le balcon. Le balcon qui n'est pas spawnable parce qu'il est en dalle. Vous voyez? Juste là où ça serait spawnable, mais j'ai mis là à bougie. Donc ça n'est pas spawnable. Sinon, j'aurais mis une dalle de pierre et voilà. Hein. Mais la bougie est de là. Regardez. Regardez cette vue, les amis. Là, il y a la lumière là, sur le bateau renversé. Et regardez cette vue, les amis. On a une vue magnifique. Ici, nous avons la maison de Jay avec le toit de chaume. Superbe. Ici, nous avons la maison de Tigra avec le dragon. La place avec le dragon que nous avions fait. Le drakkar de Tigra. Et puis bah voilà, hein, magnifique vue, la tour de verre avec le premier event qu'on avait fait, qui est joli, franchement, j'aime bien voir la tour de verre comme ça, qui se dresse comme ça, c'est assez sympa. Assez sympatoche, et là les maisons, je sais pas la maison de qui c'est là-bas, je me rappelle pas, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, là il y a des maisons là-bas. C'est magnifique. Magnifique, mes amis, magnifique. En tout cas, voilà, hein, la chambre est faite. La chambre est terminate. Hein. Donc voilà, si on se met en F3, vous voyez, hop, F3, on peut voir la light. 8, 9, 10, 11, 12. Faut regarder hein, les blocs. 9, 8, 9, 12, 12, 12, 12, 12, 10,
8, ça spawn à 6, 7. Donc 8, ah là, 7 on aurait. Ça serait quand même tendancieux. Ce que je vais faire, il reste du... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il reste du tapis. Ce que je vais faire pour être sûr, hop, vous allez voir, on va faire... Tac. Hop, et jaune. Ouais, ça serait sympa. C'est assez sympatoche. Je ne le ferai pas. Attendez. Tac. Tac. Ça peut être sympa comme ça, non? Si on le fait chevaucher, faites voir un petit peu, juste pour voir comme ça. Ah, ça fait pas joli des masses. J'aime pas. Autant l'arrêter comme ça. Faire comme ça. Là, par contre, c'est celle-là qui est embêtante. Doudoudoudoudou. À moins que vous allez me dire, après je vous l'accorde, hein, ça fait pas mal de tapis, hein. Hop, et là ça serait entrecoupé par Ou alors, on peut mettre pareil hein, au mur. Peut mettre au mur aussi une torche. Et amenuiser. Pour faire le côté toujours, toujours un peu cassé, toujours un peu, vous voyez, déchiré. Là, comme ça. Truc qu'on aurait fait avec bah, des bouts de drapeau ou des trucs comme ça. Vous voyez? Non? C'est mon idée, hein, c'est mon idée. Après, voilà, c'est pas obligé qu'elle plaise à hein, mon idée. Et là, limite, j'en enlève un. Hop, genre des tapis un petit peu déchirés, un petit peu. Voilà. Et là, donc, si on regarde F3 en bloc, faut regarder la light. Donc en bloc, 9, 10, 9, 8. Là aussi, il y aurait 7. Hein. On va. Il y aurait 7 sur le bloc là, mais c'est pas spawnable de toute façon parce qu'il y a, il y a les portes. Mais on peut pareil mettre un petit bout de tapis comme ça. On peut mettre un petit bout de tapis comme ça. Ou alors. Ou alors. Je suis en train de réfléchir, hein, les amis. Oh, je pense pas que ce soit spawnable, hein. Si on regarde à bloc, light block, là 10, 10, 9, 8, et là, ouais, ça serait un petit peu tendancieux. Je vais laisser une lumière. Ici. Et voir comment on peut faire les amis. Faudra voir comment on peut faire. Ouais. Dans la 1.13, on pourra camoufler avec les trappes de tous les bois. Mais là, c'est un peu tendancieux pour camoufler. Ou alors mettre des tapis.
Limite. Limite, on met des tapis et ça camoufle, mais bon. C'est pas non plus le. On peut mettre la caisse aussi, une caisse, en plein milieu. Je vois pas ce qu'elle foutrait une caisse en plein milieu, mais bon. On verra ça. On verra ça, les amis. On est à. Puis en plus, il y a la première partie là, à 29. Donc avec la première partie, avant que je sois interrompu par ce calice de téléphone. Voilà, oui, je le dis. Ça fera pas mal, je pense. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ti. Voilà en tout cas ma petite chambrounette qui vient d'être faite. Qui vient d'être faite. Ça, j'essaierai de régler le problème. Et puis, voilà, en attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye.